Bonjour, bonjour. Je poursuis les guidances avec les vierges. Vierge, pour moi, c'est la pureté, la blancheur. Ça me rappelle la pureté d'âme, mais aussi l'amour au sens très large. L'amour pur. Alors, je commence avec le petit oracle de la mission de vie qui m'interpelle pour les vierges. Je rappelle, vierge, ascendant vierge, il y a bien quelqu'un de votre famille à qui ça parle. Merci. Alors, la première, hop là. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher, ou es-tu appelé à aller? Alors, on parle de déplacement physique, mais de tumulte émotionnel. Ok? Donc, déplacement, c'est aussi mouvement dans les énergies, ok? Ok. C'est suivi de coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration, de ton niveau. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je le garde ici. Alors, la Vierge, le signe, hein. La Vierge est... pure. Et beaucoup de choses se rattachent à elle, à la pureté. OK? Donc, couper du matériel, du passé. Bouger. Retrouve l'amour dans les choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Vous devez réfléchir par vous-même ce qui est bon pour vous. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Se libérer de toute obligation. La Vierge doit être libre. Se sentir libre, légère, comme l'air. Une période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Alors prépare-toi comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, c'est beaucoup de douceur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Y a un tri à faire autour de vous. Vierge. Mais moi j'ai sorti le tarot de l'amour parce que ça me fait penser à beaucoup d'amour. Alors, ici, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Vous êtes enseveli mais entouré. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi ou qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. C'est une horloge. Vraiment. Avec. Et en construction. C'est une construction. Avec les engrenages. Le carillon. Fais ce qu'il te plaît, sans peur, sans limite, sans reproche. Tu ne peux compter que sur toi, alors ne compte que sur toi et fais le vide autour de toi.
Lâche prise, coupe-toi des liens dont tu n'as que faire. L'abondance sur ton chemin, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Je vois quelqu'un qui écrit et qui dessine aussi, qui trace son chemin, qui se libère progressivement. Alors, j'ai l'oracle des Médéors parce que même si je perçois beaucoup d'amour pour les Vierges, je perçois beaucoup d'embûches, d'embrouilles. Votre chemin, votre vie n'est pas facile. Alors, Vierge. Bien. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Ok. Le chakra cœur à l'endroit. Vous savez comment aimer et qui aimer. Mais il y a peut-être des bateaux dans les rues. On va savoir ça. D'accord? Vous êtes le cœur. Ok. Le déblocage du troisième œil. Merci. Pour apaiser le mental. En fait, débloquer le troisième œil, c'est savoir, avoir une certaine connaissance. Et le cœur est au centre de l'action, de votre action, de vos actions, de vos pensées, le cœur. Flamboyant. C'est l'abondance. Ah, je vois comme un rubis dans un diamant. Vous êtes riche de ça, Vierge. Vous êtes détenteur de beaucoup d'amour, hein, en fait. Ah, voilà. En fait, vous étiez démoli. Démoli. Là, j'ai la carte rupture qui dit qu'en fait, l'intérieur de vous, c'est un véritable diamant. Déstructuré. En reconstruction. On tourne autour de vous. On tourne autour de vous. OK. Alors, vous avez été mal jugé, méprisé. J'ai l'impression qu'en ce moment, on va vers plus d'attention envers vous. Ça tourne autour de vous. On vous écoute. On est plus attentif envers vous. Voilà, j'ai la grosse avancée karmique. Ok, il y a beaucoup de déblocage là. Et l'avancée. Alors, vers quoi allez-vous? D'accord. Vers une fin de dualité, de rivalité. Vous cessez de lutter. Vous abandonnez, vous coupez les liens. Hop là. Et à lâcher prise. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en miroir? Qu'est-ce qu'il y a de votre côté? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez dû traverser? Ok. D'accord. Et quoi d'autre? Merci. Ok. Vous avez perdu votre amour. Voilà. Je savais qu'il y avait beaucoup d'amour. Vous en avez beaucoup souffert et
peut-être même physiquement. Mais vous l'avez retrouvée. Vous savez qui il est, qui elle est. Alors, où en êtes-vous? Vous mettez en lumière votre famille, vos proches, votre entourage. Vous comptez beaucoup sur votre famille. Yeah. C'est une très très belle rencontre, ok? Très lumineuse. Beaucoup d'amour, vraiment. Il y a beaucoup d'amour pour vous, les vierges. Et vous avez traversé beaucoup de choses. Vous étiez séparés de cet amour. Mais quelque part en vous, même si vous en avez souffert, vous n'avez jamais abandonné. Jamais. Alors, même si vous ne le savez pas, vous êtes guidé, entouré. OK. OK. Vous allez vers la libération complète. Vous allez vers ça. OK. La libération totale. Plus paisible. On a la réharmonisation générale de tout votre être. OK? Le changement est imminent. Vous allez retrouver l'amour de soi, la confiance, la sérénité, parce que vous avez retrouvé cet amour. Et fini, angoisse et peur et jugement, évidemment. D'accord? Vous êtes tombé bien bas. Il a fallu mettre au clair. Alors, tout ce que vous avez vécu. Les pertes. OK. Alors, on va aller voir le chemin plus illuminé. Avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Alors, les vierges sont assez calmes, silencieux, aspirent à la paix, mais leur force, c'est vraiment leur cœur. Et leur besoin est plutôt d'être réchauffé, d'être soutenu. Quelqu'un de plus fort pour vous, de moins timide, d'un peu plus dur tout en étant aussi pur que vous. Nous avons la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Gold. C'est très lumineux, vous. Alors, il y a bien. Ah, beaucoup d'amour, ok? Mais en fait, Vierge, vous avez tellement d'amour à donner que vous n'avez pas reçu grand-chose. Vous en avez souffert.
Mais l'amour vient. Là, vous êtes plutôt émotif, sensitif. Vous avez besoin de quelqu'un de plus fort. Alors, vous n'êtes pas opposé du tout. Vous êtes semblable. Mais disons que dans la fusion d'un couple, on a l'eau et le feu. Vous êtes plutôt l'eau et votre hôte le feu. Donc, qui n'est pas forcément vierge. D'accord? Alors, je comprends, il y a, là, je capte, donc, voilà. Mais en fait, c'est votre soleil. C'est votre soleil. Cet autre est votre soleil. Et, ah, vous deux, c'est très calme, c'est solide. Vous retrouvez la confiance. Là, je ne crois pas que vous soyez ensemble. Certains peuvent l'être. C'est l'équilibre, en fait. C'est la parfaite harmonie. Et sans cet autre, vous ne trouvez pas cet équilibre. Donc, vous pouvez trouver injuste. Hein, de ne pas avoir vécu. Non, même pas. D'accord. La Vierge est comme ça. Pure. C'est pas quelqu'un qui a demandé à recevoir de l'amour. C'est quelqu'un qui a de l'amour. Hop là. Hop. Merci. La rose en déliquescence. C'est quelqu'un de très émotif, la Vierge, de très sensible. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est quelqu'un qui doit recevoir, parce qu'elle n'est pas habituée à recevoir. C'est quelqu'un qui donne, comme ça. Une personne aimante, très sensible. À qui on doit donner? Parce que c'est pas des personnes qui demandent. Mais qui va trouver son équilibre? Vous êtes comme cette rose. Ce côté fragile et émotionnel qui vous rend beau. Alors, il y a l'éveil, comme on a vu tout à l'heure, et harmonisation générale. Il y a la mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être et l'intégration. L'intégration, c'est la vous, votre être, vous retrouvez pleinement, entièrement, d'accord? Ensuite, on vous dit, amusez-vous. Prenez du bon temps. Faites la fête, ne soyez pas trop sérieux, sérieuse. C'est le champomis d'abord. C'est le champagne. Ça, c'est de l'or. Mais vous étiez en position fragile. Fragile, pas instable. Fragile. La Vierge est stable, mais très émotive. Elle avait besoin d'une rencontre forte. La Vierge a besoin d'une rencontre forte. Ok. Ah bah ici j'ai la carte libre. Sentez-vous libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Votre âme vous appelle à vous élever. Et
Qu'est-ce qui vous éclaire, graines d'étoiles? Qu'est-ce qui vous attire vers le haut? Vous êtes vraiment appelé à être plus haut. Vous êtes une âme libre, enfin, à libérer. Wow. Alors, je sais que c'est hors sujet, mais je vois également des jeunes. En fait, vous pouvez être parents et les enfants sont déjà de indépendants. Ok, je vois ça. Alors, je prends le tarot de l'amour parce que franchement, c'est ce qui m'a parlé pour les vierges. Cette rencontre forte dont vous avez besoin pour votre équilibre, pour votre harmonie. Ok. Nous avons ici le roi des anges, le guerrier paisible. Voilà, c'est pas parce que c'est un signe de feu et vous, un signe d'eau, que ça ne fonctionne pas, que c'est très paisible. Alors, on sait votre innocence. J'ai entendu innocence perdue. Ok, vous avez grandi en force quand même. La page des cœurs, l'innocence. Là, vous êtes vraiment égaré, ok? Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Ici, nous avons le 7 des étoiles, la foi. Vous gardez la foi, mais vous avez eu des peurs horribles d'avancer. Est-ce qui vous a fait peur? Est-ce que rencontrer l'amour vous a fait peur? On vous invite à garder la foi. Vous avez cet espoir de rejoindre les étoiles. Alors, ça ne veut pas dire décéder, de retrouver son étoile, le fait. De retrouver son étoile, son autre. Ok. Ici, le 3 des étoiles, pour avoir des visions bien plus éclairées. Qu'inspirez-vous? Protège vos limites. Ok, on a bien. Voilà, j'ai l'ange gardien. Ok, pour recevoir cet amour. Voilà. Alors, vous avez dépassé le stade. Pour certains. Tout vous paraît clair, ok? Et d'autres, il y a encore besoin de clarifier certaines choses, ok? C'est pour ça qu'on a la libération de blocage qui est apparue tout à l'heure. Ce qu'il y en avait, d'accord? Émotionnellement, très sensible, voilà. Prêt.
Donc, très silencieuse. Allez. Et effectivement, vous fermez vite pour vous protéger. D'accord? On a la reine des arbres, je dirais la terre, la nourricière. OK? Donc, en fait, vous vous raccrochez à des choses plus concrètes, plus réelles. Alors que votre âme est appelée à se lever beaucoup plus haut. À s'ouvrir, yeah? À s'ouvrir à l'amour, à une rencontre, la salle qui vous est destinée. Bon, ça, il y a vraiment des peurs. OK, il y a vraiment des peurs de rencontrer quelqu'un. Mais voilà, on a l'ordre divin, l'équilibre. Il faut avoir confiance. Et ça, l'as des étoiles, la création, c'est votre union. Et la stabilité. Voilà. La stabilité, comme on vous a dit, stabilité émotionnelle, parce que, voilà, ça s'arrêtera pour, voilà. Au niveau des énergies, des tremblements, des peurs, tout va s'arrêter. OK? Les doutes. Tout va s'arrêter parce que vous avez besoin de cette force, de cette stabilité. Et il fallait un peu vous porter quand même. Vous guider, vous entourer, vous protéger. Mais voilà, je sais que ce n'est pas le moment, voilà. Mais que ça va vous arriver. Vous allez trouver l'équilibre parfait. OK? L'harmonie parfaite. J'ai entendu au nom de tout ce qui nous a séparés. Je vais reprendre l'oracle de Calypso. Au nom de tout ce qui nous a séparés. Je vois une belle ouverture, mais oh, des difficultés à rejoindre votre hôte, quand même. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Calypso va nous apporter? La femme qui attend. Wow. La femme qui attend, patiente et silencieuse. Comment elle a joué la Vierge? C'est l'homme qui est attendu, pas la femme. La Vierge est un peu... Non, elle est contente, donc elle se permet d'avoir cet air joueuse, mais non. C'est un être de pure intention qui ne voulait de mal à personne. Voilà. En route pour le paradis, c'est une femme qui recherchait l'équilibre et en faisant la distinction, justement, entre le bon et le mauvais. Cette femme, il y a
Sans doute pur, mais dur aussi. Peur que ça recommence. Voilà, médisance, rumeur. L'enfance, les souvenirs, le passé. Peur de vous perdre à nouveau. C'est qu'il y a bien un lien d'âme. OK? Oui. J'entends plein de questions. Mais du coup, ça perturbe. Ok. Allez. Les réponses viennent dans le silence. Vraiment, la quiétude. Alors, cette femme ne veut plus vous perdre. Ok. Donc, ici, j'ai à nouveau, là, voilà, on retrouve confiance en soi sur le chemin, ses capacités, son potentiel de réveil. Voilà, chez le roi des animaux, la force, le feu. Ici, on a le lâcher prise par rapport à la culpabilité, au pardon. On retrouve son autre dans le miroir. C'est surtout ça veut dire. On retrouve son autre dans le miroir qui est un peu plus haut, l'empire des anges. Ange gardien, divin, protection. Le miroir céleste, bien. Longtemps maudit, voilà, on vous le dit. On le dit là, la météorite. Ouais. Bouleversement, changement inévitable. Vous êtes... On vous parle de l'ordre divin et de tout ce qui s'est passé depuis la création. Alors, on vous parle de la météorite, qui est constitué de feu, tout comme vous. Donc il fallait bien être sûr que vous ne soyez plus un ennemi, que vous soyez purifié surtout. Coupé des autres, séparé, trouvez le juste équilibre en vous, trouvez votre particule. La météorite, bouleversement et changement. La météorite, ouais, contre les dinosaures, hein. Quand même. Donc, vous savez qu'on est constitué principalement d'énergie. C'est ces énergies-là que l'on recherche le plus pur. Ok? La Vierge doit faire ça. Voilà. Alors, la Vierge plus haut placée, et voilà. Elle, tout en haut, c'est tout ce qui s'est passé. D'accord. Donc, cette météorite a été une véritable catastrophe. Donc, c'est marqué, c'est ancré. Et voilà les peurs. Voilà l'envers du décor. Déstructuré. Perdu. C'est, voilà, cette femme qui est signe d'eau. Ok? C'est perdu dans l'eau. En gros.
Donc on retrouve votre particule divine, c'est ce qu'on cherche, ok? Et vous, vous étiez perdu dans le feu. Donc pour vous retrouver l'un et l'autre, voilà ce qu'on vous explique dans les énergies, ce qui s'est passé. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait vis-à-vis de la dualité pour mieux se retrouver. Un travail se restructure. Vous étiez déstructuré. Et voilà. Ensuite, c'est émerveillez-vous, amusez-vous, hein. C'est toujours cette carte de bonheur, de joie, de sourire, d'émerveillement, parce que ce que vous allez vivre va être magnifique. Magnifique. Donc là, pas forcément vierge, mais forcément pure. C'est un message aussi de la source, l'ordre divin. Ok? Pour vous. Bien. Alors, lentement, mais sûrement, prendre son temps. Ça a été peut-être mouvementé au départ, et donc souffrant. Mais votre avancée, même si ça s'est passé très lentement, c'était le plus sûr chemin. Le chemin le plus sûr, mais pas le plus facile. Et tout va aller pour vous, c'est vrai. Donc pardon, si cette guidance vous paraît particulière, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander. Mais quand il est question de l'ordre divin, alors on ne parle pas de justice là, mais de juste. Que la voie du milieu n'était pas la bonne. Qu'il y a eu beaucoup d'aide pour vous. Beaucoup. D'embûches. Et longtemps. Vraiment, longtemps. Des vieilles âmes incarnées. Voilà ce qui est canalisé aussi. Alors, je suis désolé si la totalité ne vous parle pas. Il y a au moins une partie qui devrait vous concerner. S'ouvrir à l'amour. Parce que vous êtes vierge, vous êtes très sensible et vous pensez souvent que non seulement vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien attendu, mais qu'en plus, c'est comme si vous ne devriez rien recevoir en retour de qui vous êtes. Alors que si, vous méritez vraiment de recevoir l'amour. Ne vous fermez pas, n'ayez pas peur. Essayez de voir la vie autrement. Vous êtes très émotif, très sensible. Et ça, c'est aimer. Pas de tous, bah vous coupez. Ceux-là, vous les laissez de côté. Et c'est juste. Vous les ignorez et vous faites votre chemin parce que qu'il y ait quelqu'un d'autre ou pas. Là, il est, on a poussé, il y a vraiment quelqu'un. D'accord? C'est peut-être pas pour tous les vierges. Ils sont peut-être du même signe astrologique, les deux-là. Enfin, les deux-là, l'union en question. Des vieilles âmes,
s'agit de vieilles âmes, ça veut dire des âmes du passé. D'accord? Céleste. Ok. Ok. Et bon, qui doivent s'envoler pour mieux retomber. Voilà. Alors, désolé si, franchement, il y a des choses qui résonnent pas en vous. C'est ouvrez-vous et acceptez de recevoir de l'amour envers vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.